Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 15 de notre aventure horrifique sur Evil Within 2. On avait bien avancé, on avait farmé, on va pas se mentir, les deux derniers épisodes, on n'avait pas vraiment avancé dans l'histoire. On avait fait que des quêtes secondaires, mais ça nous a clairement régalé. Comme d'habitude, je vous conseille un casque ou des écouteurs, une petite collation pourquoi pas, et éteindre les lumières ou fermer les volets. On est parti, on devait enquêter dans le théâtre, chose qu'on va... bien évidemment faire, chose promise, chose due, comme on dit dans le milieu. Donc à mon avis aussi, encore une fois, j'aime bien donner mes avis, hein, bien évidemment. Je pense que ça va partir en couille très très vite, dès qu'on a franchi les portes du théâtre. Et pourquoi pas un boss? C'est ce qui me paraît le plus logique. Ok. Néanmoins, attendez, on a quelque chose à localiser ici. Mm-hmm. Tu peux me servir du blindé? Tout ira bien. Merde, j'ai pris le piège. Quelqu'un m'entend ? D'accord. D'accord. Point de résonance, signal d'opérateur Mobius. Quand c'est vert, c'est pas que des munitions. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose de plutôt intéressant la plupart du temps. Vous savez quoi ? Oh là là, on peut le faire. Hein. On peut le faire, c'est pas loin. Mais alors, est-ce qu'on va pas encore découvrir une femme reconstituée là, le bordel ? Il y a moyen, il y a fort moyen. Vous savez quoi? On va le faire. On va le faire, les gars. Je suis désolé, on va aller au théâtre juste après. Ne paniquez pas. Je vous le promets, quoi qu'il arrive. On ira au théâtre dans cette putain de vidéo. Ok. Be careful, comme on dit. Si je peux vous faire 2-3 tours de près. Ok. Ok, mon frérot. Elle a... D'accord, il y a quelque chose de très intéressant. On va prendre le pistolet silencieux. Il est temps de l'essayer, les amis. Quoi? Ah! Elle a une moitié... Ils ont tous un bout de corps. Ah oh, bah il a pris ce qu'il méritait, celui-là. D'accord. Hop. On ramasse tout, hein. Est-ce que c'était... Oh allez, on va rechanger de type. On va reprendre celui-là. On va reprendre celui-là. J'ai tellement de soins, j'ai tellement de soins. Mais qui peut me stopper? Dans notre réalité. Ok, c'était par ici. Hein. Ah non. C'est là où ils sont tous partis, très bien. Il n'y a pas une petite mère Teresa par ici? Il doit bien y avoir ça. Et... Attendez. Ok. Bon. Bon. Il y a un tas de cadavres. Aïe. Ils sont trois, hein. Je peux sortir le pompe, on va laisser peser, hein. Là, doit y avoir quelqu'un là-dedans. Oh là là, il y a un sacré tas même de cadavres. Ok. On va les épingler contre le... On va les épingler contre le mur. En gros, on va leur éclater la gueule. J'aime bien. Ok. Ah. Allez. Oh putain, faut être à bout portant. C'est bon, c'est terminé. C'est terminé. Ok, on peut tout ramasser. Oh là là, ce tas de cadavres. Ce tas de cadavres, mon dieu. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai une petite hache, ça m'aurait fait plaisir. Ah d'accord.
J'ai mis un coup de pénis. Voilà, c'est un nouveau coup, les gars. Bon, j'ai débloqué ça avec pas mal de gel. Ok, on peut tout ramasser. Oh, j'ai de quoi améliorer. Oh là là, c'est incroyable. Oh, ce tas de cadavres, au secours. De la poudre à canon, je prends. Ok, ça, je prends. Pas de petite mère Teresa? Ça serait cool, ça fait longtemps qu'on en a pas trouvé. On est dans une ville. Oh, des clous. Beaucoup de clous. D'accord. Je voulais voir s'il y avait une petite mère Teresa par ici. Mais il n'y en a pas. On peut se casser. Ok, c'est par ici. Hein. C'est par ici. On peut se faire un par un, apparemment. Ok. Pas mal de petits trucs sympas. Ok. Quel est ce bruit? Quel est ce bruit totalement abominable? Comment il a pu m'entendre? Okay. Retourne sur ton cadavre là-haut, là, gros. Là. Personne t'a rien demandé. Là. On est là, on est tranquille, on est en train de chiller, comme on dit dans le milieu. Ouais. Ouais. Dis-moi plus. Tu m'intéresses. Ouais. Tu vas où? Quel est ton futur chemin? Allez, ça dégage. Ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donne-moi ce gel. Bon, laissez-moi vous expliquer quelque chose, d'accord? Vous voyez cette jeune femme qui est morte? Une fois que je vais l'analyser, elle va me donner quelque chose certainement intéressant. Ce tas de cadavres va se réveiller. J'en suis quasi sûr. Donc ça, déjà, on va pré-shot, on va faire tomber très rapidement son petit tonneau. Parce que c'est un régal. C'est un régal. Oh là là. Elle va me mettre ce que je mérite ou pas? Mm-hmm. Le problème, c'est que ça s'est pas encore réveillé. Alors, ça, c'est sûr, hein, c'est une évidence, les gars. Hein. Ah bah, je connais le jeu, hein, j'ai bâti ses fondations. Hein. Bon, allez, on y va. De toute façon, faut bien y aller au bout d'un moment. Ça me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille. Allez, régale-moi. Merde, je suis prise au piège. Je dois partir d'ici. Putain, ce que je voulais, c'était juste trouver le blindé, une barre ici. Au secours! Quelqu'un m'entend? Oh merde. Je vais mourir dans le stem. Ce sera comme si j'avais jamais existé. Désolée, Lawson. Je vais finalement pas pouvoir venir te chercher avec le blindé. Ah! La clé qui ouvre. Oh putain. Je prends, hein, je m'en bats les couilles. Hein. De toute façon, c'est fait, les gars. Adieu! Adieu, mes meilleurs amis. Clé de la réserve. Trouvée sur un cadavre dans une allée. Cette petite clé ouvre la réserve située près de la poste. Adieu, les frérots. Hein. S'il y a une clé, c'est qu'il y a un verrou. Ouais. Je me demande où il peut être. S'il y a un verrou, moi je sais où il est, mon pote. Et s'il y a un verrou, il y a la mort. Il hein. Y a totalement la mort. Donc la réserve est ici. Non, c'est ça, la réserve, c'est ça. Adieu mes rouillas. Je vous aimais. C'était sûr. Ah, attendez. Alors le temps que tu te réveilles, je vais tenter quelque chose. Première fois. Oh putain, 5. 5 au lieu de 2. Ah non, 5 au lieu de 3, je crois. Yes, 5 au lieu de 3. Non, 5 au lieu de 2, en fait. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'exister et ça vaut le coup d'essayer. Je suis désolé, ça va... Oh non, 5, c'est trop, c'est trop. Je préfère mourir. Ok. Allez, ça dégage. Bien, cocotte. Ah! Allez. Allez, cocotte.
Waouh. Ok, je sais pas combien de dégâts ça proc. Je suis totalement épuisé. Waouh. Oh putain, elle m'a éclaté. Oh, elle m'a mis ce que je méritais. Je méritais totalement, les gars, hein. Ça, je dis pas le contraire. Allez, viens, c'est terminé pour toi. Voilà. Encore un. Vas-y, vas-y, viens. Y'a pas de soucis. Encore un. Waouh. La vache, un coup de scie comme ça, normalement, tu reviens pas, hein. Terminé. C'est terminé pour toi. Allez, c'est ça, rigole, rigole. Ne te relève plus, s'il te plaît. Allez, 1500 gel au moins. 4000. Oh là 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 là. Bon, c'est pas mal, hein. Je suis extrêmement content de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. On s'en sort plutôt très très bien dans cet épisode. On peut aller voir ce qu'il y a dans la réserve maintenant. Et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que par hasard, derrière, il n'y aurait pas... Oh, dommage. J'avais pas vu ce petit tonneau. Il n'y aurait pas une Mère Teresa. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est bien dommage. Bon, on fait un petit récap. J'ai tiré 8 balles de pistolet. J'ai tiré, je crois, 4 cartouches. J'ai tiré pas mal de harpons. Mais, à contrario, je me suis retenu d'utiliser d'autres harpons, justement. Donc, c'est plutôt pas mal. Bougez pas. Ok. On va passer par là-bas pour la réserve. On va aller dans ce bar, quand même, encore une fois. Vous inquiétez pas, les gars. De toute façon, j'ai dit qu'on avance dans l'histoire. Donc, on y avancera. C'est moi qui vous le dis. Ah. Il y a pas mal de trucs qui me plaisent pas trop. Journal du barman. La basserie est en plein essor. Les affaires vont bien. Il y a plein de nouvelles têtes à Union ces temps-ci. Donc, tout cela, en fait, si vous voulez, ils sont enfermés dans une réalité, dans le STEM, quoi. Mais dans une autre réalité, vous voyez ce que je veux dire? Pour faire des expériences. Et est-ce que si tu vieillis dans le STEM, tu vieillis en vrai? J'en ai fichtrement aucune putain d'idée. Tout ce que je peux vous dire. J'ai peur. Oh. Ça, c'est une quête secondaire, ça. Là, il y a une quête, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se fera. Ça va jouer très vite, hein. Hop, j'ai récupéré un petit fusil. Sauvegarde. J'aime pas ça quand ça sauvegarde. D'accord, non, il y a rien du tout. Il y a un autre jukebox. Oh là 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 là. J'entends des bruits. J'entends des bruits suspects. Et dans suspect, les amis, il y a paix. Ok. On va partir par ici. On peut se casser. Je pense qu'il y aura quelque chose à faire. On reviendra par là. Ouais, bah c'est totalement l'autre partie de la ville. On verra ce que ça nous offre comme opportunité. J'ai dit qu'on avançait, donc on va avancer. On a les clés de la réserve. On a ouvert toutes les caches orange lors du précédent épisode. Très honnêtement, les amis, on est bien, on est gras. Mais il faut savoir que dans ce jeu, tout se paye. Dans ce jeu, tout se paye. Et là, je suis en train de payer, d'ailleurs. Hop, voilà, je suis monté sur la poubelle. On sait jamais. C'est bon, il m'a vu de très très loin. Allez, récupère vite ta santé, mon coco. Et on est parti à la réserve. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. On a battu... Attention. On a battu deux femmes reconstituées. Sûrement la troisième devant le théâtre. Mais ça me fait plus peur. Ça me fait plus peur, je sais maintenant comment, comment m'en occuper. Ok, direction la réserve, on va se gaver les gars. Direction la réserve et on va devant le théâtre. J'espère que dans la réserve on a un établi, ça serait cool. Tiens, là-bas il y a une autre cache aussi en hauteur, hein, souvenez-vous. Ok, c'est parti, vas-y. Normalement c'est pas un piège, hein, c'est forcément une récompense. Forcément une putain de récompense. Et ça commence bien avec un clou. 7 poudres à canon. 30 pièces, peut-être une nouvelle arme. Tu déconnes, ça serait énorme, un lance-roquette. Qu'est-ce que c'est? Un autre fusil à pompe? Oh là 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 là! Fusil à canon long, ce fusil à pompe de moyenne portée possède un canon long qui augmente sa portée effective. Ouais, ça me plaît. Oh non. C'est la femme pour me rappeler qu'elle est là. Ah là 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 là, donc elle est partout, elle. Elle est partout. Ok. Et ben c'est parti. Fusil à canon. Combien on peut mettre de balles maximum? 4 aussi. Là de toute façon, elle peut pas rentrer là-dedans.
Elle peut pas rentrer. Elle vient n'importe quoi encore une fois, c'est terrible. Je ne la supporte pas. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Ok, des pièces détachées. Et encore des clous. On va pouvoir augmenter, je pense, le sniper. Ça m'intéresse énormément. Oh, on a quelque chose. Une hache. Attention à vous. Faut partir, madame. Cette dame ne veut pas partir. Peut-être qu'il faut tout simplement faire genre. D'accord. Ah! Je vois pas. Je vois pas le délire là. Frère. Mais je... Ok, elle est partie. Je sais pas si elle est partie. C'était quoi ce délire? Ah oui, mais elle était obligée de me cramer, effectivement. Oh putain. J'allais dire, on peut peut-être partir par là, mais pas du tout. Très bien. Bon. Ça vous tente d'aller à une petite établie, les gars? Ça serait cool, hein. Ça serait cool. Néanmoins, là-haut, il y a aussi une caisse. Par contre, il y a un tas de cadavres. Et ça, ça me fait peur. Donc, on va le faire. On va à cette caisse. Oh, le tas de cadavres là-haut. J'aime pas ça. Oh, c'est un petit tas, hein. Ça devrait pas trop être dangereux, hein. On est bien d'accord. Ok, c'est parti. C'est parti les amis. Il va y avoir trop de choses à la fin du jeu. Ça va être Gangbang Latéral volume 5, édition 6, mes couilles au bord de l'eau. Ok, 10 balles de pistolet, c'est pas mal. Ça, me donnez pas 10 balles si vous me demandez d'en utiliser 20 sur quelqu'un. C'est chiant, hein, les gars. Ok, hop. On est parti. Il y a un distrib. Allez. Donne-moi du gel, frérot. Yes, 300 gel. Ah! Allez, ça dégage. Donc c'est toi qui traînais dans le ghetto, frérot? Attention à toi. Ok, 500 gel, c'est pas mal. Bon, on va prendre un petit café, on va pouvoir avancer calmement dans le jeu, les amis. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, je prends un maximum de plaisir de mon côté. On a un nouveau fusil à pompe, putain, il est méga cool. Il est méga cool. Je suis assez content, je ne suis pas peu fier. On a un cas... les gars, un petit Dolce Gusto, comme on dit dans le milieu, avant d'aller au théâtre. Moi, je dis, ça fait pas de mal. On va se faire des soins à l'établir. Oh là là, mais il y a tellement de soins qui traînent en ville aussi, franchement. Honnêtement, on est bien. On est bien. Je dis pas que le jeu est simple, loin de là. Je dis que je l'ai pris du bon angle. J'ai bien farmé quand il le fallait. J'ai fait les choses, je pense, assez proprement. On va pas se mentir là-dessus. J'ai un nouveau diapositive aussi, hein, qui va nous donner du gel, regardez. Normalement, le chat devrait miauler. Le chat ne veut pas miauler. Ah, vous avez vu? Quand il miaule, ça veut dire qu'il a du gel pour nous. Et aussi qu'on a un nouveau diapositif. On est parti. On est parti, régale-moi. Régale-moi, régale-nous. C'est moi, Kidman. Heureuse de vous entendre. Après Beacon, j'ai essayé de comprendre tout ce qui m'était arrivé. Mais tout le monde disait que j'étais fou. Ou que je cachais la vérité. J'ai commencé à croire qu'ils avaient peut-être raison. J'étais peut-être cinglé. Je me sentais tellement frustré. Inutile. Boire était le seul moyen d'atténuer la douleur. Tellement de temps gâché. J'aurais pu faire tellement de choses. Putain. Pas la peine de vous en vouloir. Quand Mobius n'a pas envie qu'on les trouve... Ne me cherchez pas d'excuses, Kidman. J'ai merdé. Écoutez, ce n'est pas le moment de ressasser le passé. C'est le moment de rattraper les choses. C'est en vous apitoyant sur vous-même que vous avez commencé à boire. Vous avez une chance de retrouver ce que vous avez perdu, gardez ça en tête. Pas facile. Mais c'est vrai. Vous avez raison, Kidman. Merci. Je pense plus qu'ils vont clairement me la mettre à l'envers. Allez, bref. Le chat, oh là là, ce beau gel. Ce beau gel que tu nous apportes là. 700 gel, on est déjà à 10 000. On est pas mal, on est gras, comme on dit. Alors, les gars, il est temps d'améliorer beaucoup de choses. Il est temps d'améliorer beaucoup de choses. Le sniper, ça serait pas mal, je pense. Regardez, on a encore une vis. Allez, hop, on est parti. On améliore le snipe. 120 pièces seulement. Je prends. Je prends volontiers. Qu'est-ce qu'on a? Niveau fusil à pompe, on peut encore améliorer ça. Niveau pistolet. Oh là là, il y a tellement de choses à améliorer.
peut-être les capacités de munitions du pompe. Ça coûte pas plus cher de bien manger. Ok. 145. Ça augmente de 15% les dégâts. Là, ça fait très très mal. Là, le pompe va faire très très mal. Ah, pardon, j'ai oublié de fabriquer, les gars. On est parti avant d'aller au théâtre. Bon. Déjà, on va se faire une balle de snipe. C'est pas mal. Balle de pompe, on va s'en faire deux. On va s'en faire deux. Et balle de pistolet, on va s'en faire quatre. Parce que... Oh putain, j'ai oublié de faire des arcs électriques. C'est terrible. C'est totalement terrible. Tout est en train de me rattraper. Niveau ressources, je commence un petit peu à être épuisé. Attention, be careful comme on dit dans le milieu. C'est parti, on va s'augmenter le cerveau. On va s'upgrade tout ça. Ok, j'ai des balles de pompe en plus. Vous n'avez pas bonne mine. Laissez-moi vous aider. Prenez un juvamine. Ok, c'est parti. Hop, allez, régale-moi. Merci, là tu me régales. Et on va évidemment se customiser le Vosser. Alors, on en était à où? Récupération, furtivité, ça craint un peu, et combat aussi. Donc combat, c'est quoi? Stabilise encore plus efficacement votre réticule lorsque vous tirez. C'est vrai que c'est pas mal. Utiliser le gel, ok, c'est quoi? Attaque au corps à corps encore plus puissante. Capacité à étourdir les ennemis à distance. Ne fonctionne pas sur tous les ennemis. Moins de recul lors des tirs. Ça, c'est quand même pas mal. Encore moins de recul. Ouais, c'est quand même pas mal. Ça coûte que 3000 en plus. Qu'est-ce qu'on a là, par exemple? Récupérer davantage grâce aux objets de guérison. C'est pas mal non plus. Furtivité, on a pas mal de trucs. Avance. Avancer plus vite en position accroupie. Ça, c'est pas mal. Ça coûte très très cher. Et là, prédateur, aptitude spéciale vous permettant de vous rapprocher rapidement d'un ennemi pour tenter une attaque furtive. J'ai envie de prendre ça. Avancer encore plus rapidement en croupie, c'est quand même le petit feu. C'est quand même le petit feu et profil bas. Vos pas sont beaucoup plus silencieux et les ennemis se mettent à votre recherche beaucoup moins rapidement. C'est encore plus stylé. On est pas mal, on est pas mal. C'est parti les amis. Il est temps d'avancer dans notre histoire. Il est temps d'aller voir ce qu'il se passe au-delà des frontières. Donc on y va, c'est par ici. Une petite sauvegarde? Non, pas ici. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Par contre, on va sauvegarder ici. Ça me paraît beaucoup plus s'optimiser pour éviter les temps de chargement chelous. Allez, on est parti, les gars. Bon, je suis full life. On est qu'au chapitre 6. C'est qu'à mon avis, le jeu nous réserve encore pas mal de surprises. Et je pense qu'on va changer de chapitre d'ailleurs au théâtre. Parce que ça fait longtemps qu'on est à ce chapitre 6. Il y a tellement de choses à faire en même temps. J'ai l'impression que la dernière fois qu'on avait vu notre esprit, hormis dans cet épisode, c'était il y a bien longtemps. On est parti, direction. El Teatro. On va voir ce qui se passe. Encore cet appareil photo qui nous observe. Une petite Mère Teresa, moi ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir, les gars. Oh là là, il y a des bruits tellement suspects. Ok, les tableaux. On avait vu un de ces deux tableaux, hein, vous vous souvenez, dans le bar. Grand théâtre. Mais c'est quoi son délire à lui? Bon sang, Lily est à l'intérieur. Je suis pas si sûr. Vous n'avez pas apprécié la performance de ma superbe Obscura. Peut-être que vous aimerez mieux ceci. Écoutez. Non! À l'aide! Quelqu'un! Je prépare mon plus grand chef-d'œuvre. Mais vous ne méritez pas encore d'en être le témoin. Pas avant d'avoir appris à respecter mon art. Écoutez. Écoutez leurs cris. Les échos de mon travail. Respecter son art, hein? C'est le moment d'essayer la théorie d'Hoffmann. D'accord. Chapitre 7, désir d'art. On va devoir aller au bar, j'en suis quasi sûr. Œuvre de Stefano. Yes. Donc première œuvre et deuxième œuvre. Ok. Ok. Il est temps. Alors les gars, est-ce que j'ai eu raison? Le bar était ici, j'ai eu totalement raison. Donc direction ce bar. Il est temps de savoir un petit peu ce qui nous attend. Ah, c'est les racines qui font ce bruit là, non? Qu'est-ce qu'on a là?
On a trois gars, ils valent pas trop le coup, je pense. Oh, Mère Teresa. Vous l'avez vu. Bon, bah, on va le faire. Finalement. Ah, ils sont quatre. Oh, putain. D'accord. 1, 2, 3, 4. Oh oui, non, mais les gars, toujours plus dans l'excès. La station essence, c'est le nouveau lieu qui réunit les jeunes. Bah non, mais là, les gars, ok. Ok, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. D'accord. Oh, c'est compliqué. Hein. Oh, c'est beau. Tellement bien joué de ma part. Tellement bien joué. Ah, ils sont quatre là-dedans, putain. Quoi? Putain, mais c'est pas vrai. Je peux pas jeter une grenade tout simplement là-dedans, là? Ok. On est pas mal. On est pas mal encore. On est pas mal du tout. Là, on s'est régalé, hein. On s'est régalé, les gars. Toi, tu vas prendre ce que tu mérites, je te le dis d'office, hein. En plus, normalement, en étant accroupi, je devrais aller encore plus vite. C'est pas mal. Voilà. J'ai une hache. On est bon, hein. On est bien, on est gras, hein. Je me suis régalé, hein. Je me suis régalé. Je sais pas pourquoi ils sont tous sur les racines. Ah, attendez, on peut passer par ici. Il y a la Mère Teresa en plus à côté. Ça y est, j'ai une hache que je vais pas tarder à utiliser. Étant donné qu'il y en a une nouvelle par ici. Ah, ouais. Eh, les gars. Ferme-la. Allez. Ça dégage. Ça dégage totalement. La petite Mère Teresa par ici. Tu es à moi. Allez, on est bon. Ça, en échange d'une balle de pistolet. Bon, c'est plutôt cool. Tiens, on va récupérer tout le gel. Là, on s'est régalé en plus en gel. En tout, 300, je pense qu'on a tué peut-être... peut-être pas 10 ennemis, mais en tout cas, on s'en rapproche. Presque 3000 de gel. C'est plutôt cool. Et on a récupéré notre hache. Direction le bar, les gars. On va faire au moins la moitié de la quête avant la fin de la vidéo. De toute façon, on a le temps d'exister, on a le temps d'apprécier. Attendez, c'est par où? Hop, on va se mettre un petit point, c'est par ici. Heureusement que j'ai pré-shot, les gars, mine de rien. Heureusement qu'on y a été tous ensemble dans ce bar. Et vu qu'il y a un jetbox, j'aime pas ça. Ça va être le retour, à mon avis, de notre meilleur pote. Je l'ai déjà pris, ce distributeur. Hein. Je l'ai déjà pris un épisode. Oh, regardez. C'est pas mal, ça. Attendez. Ça veut dire qu'on peut vandaliser. Yes, d'accord. Ah bon, on apprend des choses tous les jours. On apprend des choses tous les jours. Ok. D'accord. Très bien. Chose que je ne savais pas, je viens de le découvrir. Ok, nous y voici. Première œuvre. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est dans la pièce d'à côté. Le jetbox, j'aime pas ça. Ça, c'est de l'art. C'est juste une photo. Je pense qu'il fait ça pour le provoquer. Là, on va rentrer dans un délire. Je vais te lacérer la gueule. Ah ouais. Ah ouais. Ok. D'accord.
Merde. Fermé. Il doit bien y avoir une clé ou quelque chose. Ok. Nous revoici en enfer. Ouais. Ne flippe pas. Tu deviens une œuvre d'art. Tu vas faire partie de mon obscura. Ah, la chair. Moins malléable que l'argile, mais plus douce encore que le marbre. Le matériau parfait. Pourquoi tu fais ça, monsieur Stefano? Stefano del Pococelli. Impossible de se concentrer avec ces cris. Une sculpture n'a pas besoin de langue. Il lui a fait bien fermer sa gueule, hein. Ok. D'ailleurs, je suis plein niveau fumigène. Ok. Ah! Ok, j'ai des munitions. L'œil. L'œil, ça veut dire que, à mon avis, si on le prive de sa vue, le bordel. Totalement malade. Vous êtes totalement dingo. Ok. Ok. Ah, coucou. Allez. Ça, ça dégage. C'est moi où il y a un petit bout de... Comment on peut appeler ça? De coulisses. De coulisses ou d'hôpital. Ok. Ouais, c'est intéressant. Viens. Viens, t'es un homme mort. Ah. Vas-y, venez par ici. Et vous êtes où? Je suis là, vas-y, venez. Ah. C'est énorme, les smokes, réellement. Les smokes, ça me plaît bien, ça. Ah ouais, ça me plaît bien. Ok, on va faire attention. On est pas mal là, on est gras comme on dit. Hop, ça, ça dégage. Première fois qu'on utilise les smokes et ça me plaît bien. Ah bah on utilise tous les outils nécessaires bien évidemment à la bonne... Ok. Tu vas aller par où, toi? Ah! Bon, hey, les gars, écoutez, le plan a échoué, hein, on va pas se battre. Ok, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal du tout, ça. On prend tout ce gel. Tout ce gel qui nous offre tellement de choses. Ok, on est parti. On va ouvrir tout ça. Hop, on se casse de côté. Ça, c'est fait. Oh, nous y voici devant cette œuvre. On va avancer doucement, les gars. On sait pas du tout ce qui. Elle est morte, hein, normalement. Ça y est. Bonjour! Voilà mon œuvre d'art. Uh-huh.
D'accord. Ok, ok, c'est chiant. Alors là, je ne vois pas. Je ne vois pas grand chose d'ailleurs. Peut-être par ici, mais il y en a un pile poil à terre. Je peux aller derrière. Yes. Oh putain, mec. J'ai tellement peur. Ok, il y en a un ici. Très très bien. Hoffman. J'espère que vous avez raison à propos de ce truc. Ah ouais. Ah ouais. C'est bon. C'est bon. C'est parti. Allez. Oh là là, putain. C'est bon, on lui a massacré son art. Ton art, c'est de la merde. Détruire le travail de Starry a vraiment un effet thérapeutique. Mais ça n'est pas encore fini. Encore un. Ok. Plus qu'un. Servez-vous de votre communicateur pour trouver l'art de Stefano. On va aller à la planque, les gars. Et on fera ça lors du prochain épisode. On est plutôt grave. On est plutôt pas mal. Oh, le jukebox, il va me faire peur. Attention, 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 attention. Le tour. C'est bon. C'est bon. Bon, on a plus de vie, les gars. C'est un peu terrible. Ouvrir la bouche. Incendie, l'eau conduit l'électricité. Oh! Ben oui, mais je n'y avais pas pensé. Mais bien joué, les bouches à incendie! Oh là là, eh, on en apprend tous les jours. Eh, on s'amuse. Hein. On s'amuse, on vit une aventure, tous ensemble. On est parti, les amis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Comme d'habitude, je vais prendre un petit café. Je l'ai bien mérité. Non seulement je l'ai bien mérité, j'en ai bien besoin. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que chaque épisode vous plaît. Merci infiniment d'être aussi nombreux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes incroyables, les amis. Je vous fais des bisous et surtout, portez-vous bien.